Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Je vais vous raconter la suite de notre histoire chez l'épicier. Ah, je comprends maintenant pourquoi tu regardes toujours mes balances, dit Madame Jeanne. Viens un peu à côté de moi, Maurice, et fais le petit marchand. D'abord, quel poids vas-tu mettre sur le plateau pour faire une demi-livre? Maurice hésite un peu, puis il dit: 250 grammes, madame. Très bien. Mais dans ma boîte, il n'y a pas de poids de 250 grammes. Débrouille-toi. Madame Jeanne prend un sac et ouvre le tiroir dans lequel elle range le café. C'est pour Françoise le moment de poser la question qui lui brûle les lèvres. Comment vous reconnaissez-vous dans vos tiroirs, madame? J'ai l'habitude, mon enfant. Et puis, je place toujours les mêmes marchandises au même endroit. Et de cette façon, je pourrai m'y retrouver les yeux fermés. Tiens, ajoute madame Jeanne, regarde comme ton cousin est adroit. Maurice, en effet, a placé sur l'un des plateaux de la balance le poids de 200 grammes et celui de 50. Et il a rempli un sac de café jusqu'à ce que les deux plateaux de la balance soient exactement en face l'un de l'autre. Parfait, s'écria alors Madame Jeanne. Qu'est-ce que nous vous devons? Demande Jean-Claude. Madame Jeanne prend une feuille de papier et fait l'addition. C'est Jean-Claude qui paie. Comme il lui restera un peu d'argent, il dit: Ne me rendez pas la monnaie, Madame Jeanne. Grand-père nous a permis d'acheter ce que nous voudrions, avec ce qui resterait. Comme il tousse depuis hier, le voleur lui a emporté 10 boules de gomme. Voulez-vous me les servir? Voici, dit Madame Jeanne en remplissant un joli petit sac de papier glacé. Et puisque vous êtes de ces bons petits cœurs, choisissez chacun dans cette boîte 2 bâtons de sucre d'orge. Je vous les offre.